être notre consultant technique durant cette rencontre. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent. Oui, une bien belle finale qui est aussi la revanche de l'année dernière où Perpignan avait pris le dessus sur Avignon, mais qui avait été un match très disputé et indécis jusqu'à quasiment la fin du match. Voilà, tout à fait. Donc on est maintenant sur la présentation des joueurs. On va vous annoncer les compositions d'équipe. Donc pour l'instant, c'est l'équipe d'Avignon qui va être composée. Donc avec Guillaume Maut qui vient d'être nommé et Aymeric Navet qui est un des joueurs qui apparaît cette année dans la composition d'équipe avec la blessure de Yann Verdi puisqu'Avignon va être diminué avec son capitaine emblématique qui est blessé lors de la finale de la Coupe et qui ne pourra pas jouer cette finale de championnat. Tout à fait. Donc une équipe d'Avignon qui a passé un cap cette année, hein, avec qui a réussi à se hisser deux fois en finale, les compétitions principales qui sont la Coupe de France et le championnat élite. Oui, Avignon, de toute manière, depuis 4-5 ans, ils montent en puissance. Chaque année, ils passent une étape et puis cette année, ils ont gagné la finale de la Coupe, mais ils sont tout à fait capables de gagner les deux. La présentation des Dragons avec Nicolas Clauzel. Nicolas Clauzel, pardon, Moreno, Raphaël, Joël Lacombe, Gilles Clauzel, Jérémy Bourson, Claude Massé, Arnaud Vargas, pardon. Qui sera capitaine. C'est Arnaud qui sera capitaine ? Oui. D'accord. Ça change d'habitude, c'est pourquoi comme ça ? C'est aujourd'hui une manière pour lui de le récompenser de la saison qu'il fait ou comment ça se fait que ce ne soit pas Nicolas ou Gilles ? Alors, je pense que c'est... Arnaud est en train aussi, lui, de progresser, d'avoir un autre statut au sein des Dragons. Et ça témoigne de ça. Je pense que dans les vestiaires, il a un rôle qui dépasse largement le cadre sportif. D'accord. Donc, une équipe des Dragons qui va devoir faire certainement, ou qui a dû faire un gros travail de préparation, notamment psychologique, parce que je pense qu'ils ont été quand même très affectés par leur défaite en Coupe de France. Si on revient un petit peu en arrière, rappelons que l'équipe d'Avignon a été réduite à 4 joueurs suite à la blessure donc de Yann Verdi. Et pendant ce temps-là, les 10 dernières minutes, ils ont pris les deux essais qui leur coûtent la victoire. Ils ont perdu 11-0 à 4 contre 5. C'est ça. Donc psychologiquement, ça marque. Et nul doute qu'ils auront dû beaucoup travailler, beaucoup se parler pour préparer cette finale. Parce qu'on sait... que dans ces moments, dans ces matchs couperés, l'aspect mental est important. Oui, primordial. Je pense que sur le papier et même sur la finale de la Coupe, je ne dis pas que Perpignan était mieux, mais en tout cas, a tout le temps mené au score jusqu'à un quart d'heure de la fin. Et donc, c'était un peu étonnant de les voir sombrer à 4 contre 5 au moment où ils auraient dû prendre l'avantage et tout simplement gagner cette finale. Rappelons aussi que la particularité de l'équipe des Dragons, c'est qu'ils ont un joueur entraîneur, on a la personne de Gilles Clauzel, donc, qui est quand même dans le milieu reconnu et qui a été nommé à la dernière Coupe du Monde en 2017 meilleur joueur du monde, donc un joueur d'expérience, mais qui découvre aussi cette facette de l'encadrement avec ce rôle de joueur entraîneur. Et peut-être une difficulté supplémentaire quand on est sur le terrain pour mesurer le coaching et savoir éventuellement quelle solution apporter aux problèmes posés dans l'immédiateté du match. Oui. C'est un des problèmes auxquels ont été confrontés les Catalans lors de la finale de la Coupe. Alors on va passer à la diffusion de l'hymne national. Thank you.
Voilà, une belle Marseillaise, une rencontre qui va être arbitrée par messieurs Abrial et Roig sur la touche et dans l'embut par monsieur Anthony Pêche et madame Lucie Père. Voilà, donc arbitre d'embut. Rappelons que les arbitres en rugby 13 fauteuil, on aura une liaison sono avec l'arbitre d'attaque et monsieur Roig. Rappelons simplement que en rugby à 13 fauteuil, bien évidemment, les arbitres sont œuvres sur le long de touche. Et donc, les arbitres d'embut sont derrière les embuts et aident à la validation de chaque essai. Les joueurs se saluent, ils se connaissent hein, pour beaucoup. Sur ces deux équipes de très haut niveau, pour beaucoup, certains se rencontrent régulièrement et notamment dans une semaine sur les stages de l'équipe de France. Puisqu'ils vont préparer une tournée en France dans la Ligue PACA du 19 au 24 juin pour jouer deux test matchs contre l'Angleterre, leur éternel rival. Rappelons aussi tout simplement que ces matchs vont se jouer le 21 juin à 20h30 à Apt et le 24 juin à Toulon à 15h. Donc nous vous invitons à soutenir l'équipe de France le plus possible. Donc les équipes vont se mettre en place. On va simplement peut-être rappeler les règles principales de ce jeu, Sylvain. Ben oui, les joueurs sont dotés sur les épaules de flags, c'est-à-dire de bandes de ruban plastique. Et quand le porteur de la balle se fait arracher un de ces deux flags, ça symbolise le plaquage. D'accord. À partir de là, il doit en remettre un à sa place de flag, toucher au sol avec le ballon et le jeu peut reprendre, comme le rugby à 13 normal. D'accord. Ils ont bien évidemment donc droit à 6 tenues. Hein, oui. 6 tenues. Au 6e tenue, le ballon est rendu à l'adversaire par la tenue de transition. On est vraiment sur les mêmes règles que la pratique valide. Par contre, l'esprit est là. Oui, c'est pas un nouveau sport, c'est une adaptation. Donc on est vraiment sur la transcription de la philosophie et des règles du rugby à 13. Le terrain, par exemple, fait 40 mètres. Et donc, symboliquement, les joueurs reculent à 4 mètres, qui correspond aux 10 mètres des 100 mètres d'un terrain normal dans le rugby valide. Très bien. Donc un rugby spectaculaire, assurément, puisque c'est une des caractéristiques du rugby à 13 de haut niveau, de voir le ballon vivre. Oui, il y a beaucoup de passes. La particularité peut-être du rugby à 13 fauteuil par rapport au valide, c'est du fait qu'on joue dans un terrain fermé et un petit terrain. Et il est beaucoup plus facile de marquer parce qu'on passe d'un camp à l'autre beaucoup plus vite. Donc il y a à peu près entre 80 et 100 points par match, les deux équipes confondues. Et à l'exemple de la finale de la Coupe qui a eu lieu il y a 3 semaines, qui s'est soldée par 55-44, voilà, on est autour de ça, une centaine de points par match. Et rappelons qu'en levée de rideau, l'équipe des Dahu d'Arban, un petit village proche d'Oyonnax, a gagné le titre de champion de France Ligue 2 aux dépens du Stade Toulousain d'e-sport sur le score de 59 à 52. Oui. Donc effectivement, beaucoup de points marqués, un joli spectacle. Très joli. Avec notamment dans les rangs du Stade Toulousain, un garçon que le monde du rugby connaît bien, David Berti, qui est revenu à la pratique du rugby malgré, j'ai envie, sa maladie. Oui. Et qui aujourd'hui a joué de nouveau, on va dire, un titre champion de France, malheureusement perdu pour lui. Non, mais David, ça fait un moment qu'il est dans le milieu du rugby 13 fauteuil, puisqu'il faisait partie de l'aventure du groupe France dans la dernière Coupe du Monde. Malheureusement, il n'a pas validé son billet dans les 12 derniers, mais il était très très proche. Cette année, il a pris une nouvelle orientation. Il a quitté le club de Saint-Jory pour s'investir sur le club du Stade Toulousain. Et mais franchement, ça se passe bien pour lui, même si aujourd'hui il est déçu d'avoir perdu la finale. Alors, on peut imaginer qu'un compétiteur comme lui a quand même besoin d'un petit temps pour digérer cette défaite. Le coup d'envoi va être donné donc de cette finale 2019 Elite 1 Rugby 13 fauteuil par Nicolas Clausel, le numéro 13. Capitaine du bleu, c'est bon, Julien. Capitaine du blanc, Arnaud, cave de mort, partez pas avant. Et voilà, c'est parti. Coup d'envoi donné. C'est Florian Condugaro. Ok, monsieur, en avant, pénalité. Parce que le joueur est devant. Voilà, en fait, l'arbitre considère que Kevin Pastore avait
faire un avant et que le joueur Florian Coutadoro a repris la balle en position de hors-jeu. Donc c'est une pénalité d'entrée de match pour les Indy Dragons catalans. Pénalité que choisit de transformer les Dragons par l'intermédiaire de leur buteur, Nicolas Clauzel, face au poteau. D'une façon générale, par rapport à la finale de la Coupe, une des évolutions, c'est la compo d'équipe des Dragons, qui ont clairement choisi de mettre le 5 majeur d'entrée, ce qui n'avait pas été le cas lors de la finale de la Coupe. Tout à fait. Donc, pénalité transformée par Nicolas Clauzel, ce qui nous donne le score de 2 pour Perpignan et 0 pour Avignon. Oui, avec la présence des deux Clauzel dès le coup d'envoi de Jérémy Bourson et de Arnaud Vargas, et ils ont clairement choisi de vouloir mettre beaucoup d'intensité dès le départ. Et alors, de pas considérer que c'est leur 5 majeur. Ouais. Et quasiment la même chose côté Avignonais. Oui, Avignon aussi a son meilleur 5, mais c'est pas une nouveauté. Ils avaient fait ça déjà à la finale de la Coupe. Ok. Donc c'est parti, vous avez vu les joueurs d'Avignon qui ont pris le soin de s'élancer pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible sur le réceptionneur. Voilà Arnaud Vargas qui a le ballon. Okay, Gilles. Gilles Clauzel. Okay. Voilà. Et Nicolas, il s'en joue toujours, il n'a pas été flagué. Voilà. Ok, 3. D'une façon générale, Avignon est une équipe qui fait davantage vivre le ballon et beaucoup plus de passes. Alors que Perpignan est beaucoup plus puissant et joue surtout avec des à-coups, avec un ou deux tenues très très lents. Et à partir du troisième, un vrai changement de rythme avec beaucoup de joueurs qui arrivent en même temps et qui impriment un tempo totalement différent. Et souvent ce changement de rythme, c'est Gilles qui l'amène, on le voit. Voilà. Jérémy va se faire plaquer et là sur le troisième tenue, ça va arriver très vite. Et voilà, ça a pas, on n'a pas mis longtemps à rentrer dans le vif du sujet avec un premier essai, avec deux libérations et un changement de direction et un essai en coin par Gilles Clauzel. Donc Avignon qui d'entrée, un petit peu à l'image aussi de ce qui s'était passé en Coupe de France, hein, ils avaient marqué, Perpignan, ils avaient marqué des points. Avignon avait su revenir. Ne pas se laisser trop distancer. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? L'avenir va nous le dire. Mais en tout cas, on peut dire que Perpignan est rentré dans son match et a oublié un petit peu l'impact psychologique de la défaite de la finale de la Coupe de France. De toute manière, d'un point de vue technique, je pense qu'une des clés du match pour Avignon, pour pouvoir exister, c'est de brouiller la connexion qu'il va y avoir entre Jérémy Bourson et Nicolas Clauzel. Jérémy avance beaucoup et surtout reflague extrêmement vite. Et s'ils n'arrivent pas à perturber Jérémy dans son reflagage et qu'ils laissent Nicolas arriver avec le tempo que Nicolas a décidé d'avoir, ça va être très compliqué de l'arrêter. Donc, transformation de l'essai réussie par le même Nicolas Clauzel. Donc, on est à 8 pour Perpignan et toujours un score vierge de 0 pour Avignon. Bon, effectivement, ouais. Un joueur comme Jérémy Bourson avec son gabarit, il est très grand, il a une très très grande envergure. Donc difficile à plaquer. Ah, et puis surtout, il reflaque très très vite. C'est un des plus rapides en France. Et voilà, c'est un petit peu autant la vitesse d'exécution du tenu chez les valides, c'est l'arme absolue. Et c'est un petit peu ça aussi, c'est même ça, on va dire, chez le rugby 13 fauteuil. Voilà, donc on voit, voilà Gilles. Ouh là 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 là. Et une grosse un gros manque de communication en défense chez les Avignonnais qui laisse Gilles Clauzel sur sa première attaque casser la ligne et aller marquer directement entre les poteaux. On sent que Avignon est perturbé. Oui, mais je pense que les Catalans ils sont pour quelque chose. Ils ont l'air de ne pas avoir du tout anticipé que Gilles, qui est plutôt une des personnes qui change le tempo du détenu, viennent faire des fixations et ils n'ont pas l'habitude de ça. Et donc ils ont l'air très perturbés par ce changement de stratégie qu'ont les Catalans dans leur approche de leur chaîne. Tout à fait, une entame de match des Avignonnais là qui laisse penser que
Ils ne sont pas du tout encore rentrés dans leur match collectivement parlant. Et là, ils se cherchent. Hein. Ils sont en train de. On voit quelques regards qui s'échangent. C'est à toi, c'est à moi. Et sur le coup, là, c'était personne. Ouais. Ben, généralement, Joël Lacombe ou Arnaud Vargas qui viennent faire les premières fixations sont beaucoup moins problématiques et ne cherchent pas forcément à gagner beaucoup de terrain. Ils cherchent surtout à mobiliser plusieurs joueurs et à jouer très vite. Deux stops, deuxième, ok. Voilà, donc deux. Même si le joueur n'avait pas réussi à déflaguer Nicolas Clauzel, le fait qu'il avait stoppé son fauteuil et que la main était posée sur l'épaule, l'arbitre a quand même signalé le tenu. Hein. C'est aussi une spécificité de l'activité. Ouais. Donc une fixation qui va être faite par Arnaud Vargas. Arnaud qui arrive. Et dernier. Hop. Pénalité. Reculez, monsieur. Reculez. Voilà, la pénalité, encore une faute importante qui est faite par Julien Verdi. Tout simplement parce que en fait. Il ne se retire pas assez vite du tenu et il gêne la réalisation. Arnaud, hein, dans sa réalisation du tenu. Donc on considère que c'est un acte d'anti-jeu et donc sanctionné par une pénalité. Et Perpignan qui continue toujours dans son processus pour marquer des points, maximum de points, et marquer mentalement Avignon et leur faire comprendre qu'aujourd'hui ça va être compliqué de les battre. Oui, mais pour le moment Avignon n'a pas eu encore la balle. Hein. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de fautes. Voilà, donc on est à 16 pour les Dragons de Perpignan, 0 pour les Bisons d'Avignon. Il va y avoir une réaction, hein, mais alors 16-0, on pourrait dire, oulala, ça va être compliqué, ils ne sont pas dans le match, mais en rugby 13 fauteuils, 16-0, ça se remonte relativement vite aussi. Oui, oui. Ouais, réception par Gilles Cousin dans son but. Il est bloqué. Et donc il va être obligé de rendre le ballon par un coup de pied tombé entre les poteaux. Donc bien évidemment, hein, en rugby fauteuil, tout le jeu au pied est remplacé par un jeu avec tapé avec le poing. Premier tenu, tenu-le, monsieur. Deuxième. Voilà, ça enchaîne, on enchaîne. Et oui, voilà, un arrachage en fauteuil. Alors si en rugby à 13 valide, le 1 contre 1 est autorisé en fauteuil, il n'y a pas d'arrachage. Non, absolument pas. Ça vient aussi, principalement du fait qu'un certain nombre de garçons, du fait de leur handicap, posent le ballon sur leurs genoux et n'ont qu'une maîtrise partielle et pas avec les mains du ballon. Allez, une première fixation par Guillaume Motz. Florian Coutadoro, hop, okay. Une interception par Nicolas Clauzel. Voilà, les Catalans vont reprendre voilà, avec des séries de tenues plutôt lentes. Voilà, Jérôme qui va chercher à mobiliser deux défenseurs. Arnaud pareil. Il va y avoir un changement de rythme sur le troisième. Allez voir, regardez les Clauzel, voilà. Gilles qui arrive. Quatrième. Et on avait le sentiment que Gilles avait pris la décision d'attirer un maximum de défenseurs avignonnais sur le côté pour pouvoir mettre un coup de pied de recentrage. Ouais. Okay. Allez, c'est parti. Coup de pied à suivre. Oulala, il est là. Oulala, okay. Et Jérémy est arrivé avec une grosse vitesse. Vous avez vu, il n'a pas freiné. Hein. Il s'est servi des contreplaqués de sécurité là pour bloquer son fauteuil. Oui, il s'en est fallu de pas grand chose qu'il puisse récupérer le ballon et marquer. Tout à fait, parce qu'il a des grands bras. Une des incertitudes par rapport au match d'aujourd'hui, c'est la capacité de Aymeric Navé, le joueur d'Avignon, de pouvoir élever son niveau et de pouvoir remplacer Yann Verdi qui était le capitaine des Bisons. Et de pouvoir le remplacer au mieux. Donc Aymeric qui a le numéro 13 qui va venir prendre beaucoup de premières fixations, qui est assez grand. Merci. Et qui j'espère va pouvoir poser des problèmes à Perpignan. Si c'est pas le cas, ça risque d'être compliqué. Tout à fait. Et sachant qu'en plus Julien Verdi c'était un garçon
qui a une grosse influence de la communication d'Avignon. Et que par contre, le numéro 13 d'Avignon est plutôt quelqu'un d'introverti. Double flagrage, messieurs. Pénalité. Voilà, alors encore une situation qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs. Double déflagage, pénalité. Double déflagage, c'est-à-dire que le défenseur a arraché en deux temps les deux flags de l'attaquant. Et on considère que c'est une manière pour lui aussi de ralentir l'exécution de tenue. Donc c'est une pénalité. Bien évidemment, si deux défenseurs intervenaient dans le même temps et déflaguaient les deux épaules de l'attaquant, on considérait qu'il n'y a pas du tout de pénalité et que ça pourrait se jouer. Mais là, c'est en deux temps. L'arbitre a bien précisé, en deux temps, double déflagage. Donc pénalité. Et c'est une première pénalité tentée par Avignon et réussie avec l'aide du poteau, hein, le haut du poteau. Donc voilà Avignon qui rentre dans son match peut-être avec cette pénalité. Perpignan 16, Avignon 2. Oui, Avignon a du mal à rentrer. J'espère que ces deux points vont leur faire du bien et vont leur permettre de pénétrer dans cette finale parce que pour le moment, il n'y a qu'une équipe. Hein. Oui, c'est exactement ça. Ok, 6, jouez. Oui, attention, zone d'impact. Feuille en coup d'euro. À la réception. Messieurs, pénalité. Alors, c'est des fautes, hein, beaucoup de fautes. Voilà, il fait une remise en jeu en deux temps, encore une fois, là, pareil. Ça gêne l'action du défenseur, puisqu'il ne sait pas s'il peut agir. On pourrait considérer ça comme une feinte. Oui. Voilà, donc c'est pénalité contre Avignon. Mais c'est la même chose qu'en valide, c'est-à-dire que la réalisation du tenu doit être faite en une seule action. C'est ça. Go. Une fixation, une passe en deux passes courtes. Alors, pas de panique, hein, les poteaux sont en fibre de verre, donc très facilement... remontable, voilà ce qui va être fait. Donc les arbitres se consultent parce qu'il y a une situation qui est un petit peu compliquée et qui a besoin d'avoir plusieurs avis pour... Oui, on est d'accord, messieurs. Tenue 2, messieurs, à mettre les médailles. Voilà, donc il y a l'action du défenseur est privilégiée et on est donc sur le deuxième tenu. Okay, on considérait que Jérémy Bourson avait perdu l'avantage de son attaque avant de rentrer dans le but. Et on voit la joie de Gilles Clauzel. Hein. Il a été au contact, effectivement, mais le défenseur a raté l'action de déflagage. Et sur le coup, Gilles va au bout de son action et aplati au pied des poteaux. Oui, c'est compliqué à Avignon, de la façon dont ils défendent. Parce qu'ils mettent Guillaume Mout, qui est un des garçons qui est les plus handicapés, et qui est un garçon qui est fauteuil permanent. Ben, au milieu et dans sa motricité et son explosivité pour se replacer notamment proche de la ligne, ben, c'est très compliqué pour lui. Je suis très étonné qu'il le mette au milieu et qu'il ne le mette pas davantage sur les extérieurs en mettant un joueur valide ou un amputé qui est plus mobile sur cette zone-là. On peut penser aussi que c'est l'urgence par rapport à la situation et la vitesse d'exécution du tenu juste avant la prise de balle par Gilles qui l'a obligé à jouer dans la position où il était. Et malheureusement, ben, l'œil expert, on va dire, de Gilles, il ne lui a laissé aucune chance. Hein. Gilles, il a su parfaitement où aller taper et venir aplatir au pied des poteaux. Donc on est à un score, puisque ça a été transformé, de 22 pour Perpignan à 2 pour Avignon. 20 points en 12 minutes qui séparent là. Donc on a effectivement, chaque action amène des points. Mais pour l'instant, c'est plutôt dans le sens unique. Ah oui. Pour Perpignan. Okay, revoir la balle. Donc un jeu au pied encore une fois, hein. Le ballon rebondit sur le terrain, les joueurs catalans n'ont pas récupéré la balle. Okay. Go. Il y a une tension, hein. Moi, on sent une tension entre les deux équipes, il y a des attitudes qu'on ne retrouve pas en championnat, certainement liées au contexte de la finale. Donc Joël Lacombe au tenu. Okay. Une libération, un offload. Voilà Gilles.
Petit coup de pied. Oh là 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 là. Et tout leur sourit en plus. Ouais. Je pense que l'arbitre va valider l'essai. Il me semble, oui, voilà. Parce que l'orientation était vraiment vers la... Voilà, il y a eu un rebond, effectivement, mais qui a profité malgré tout aux Catalans. Essai qui assomme complètement, on dirait, Avignon, hein, qui se cherche. Et ils y sont pas. Voilà, ils sont pas rentrés encore dans leur match. Et on voit des attitudes même des joueurs, hein, on voit Kevin et, s'interroger. Alors Yann essaye de avec son expérience. Et puis on voit Florian, l'entraîneur, hein, aussi quelqu'un qui monte en compétence de saison en saison, essayer de remobiliser ses hommes, mais difficile. Ah, s'ils mettent pas davantage d'agressivité dans leur implication défensive, la finale va être longue et compliquée. Tout à fait, ouais, parce que là pour l'instant il y a une seule équipe sur le terrain, c'est Perpignan, avec des coups de butoir sur ces accélérations là qui font que chaque fois qu'il y a une ligne qui est cassée, ça amène des points. Et par paquet de 6, j'ai envie de dire. Hein. Chaque fois, c'est des essais. Donc, on est à 26-2. La transformation. 28-2. Il va falloir très, 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 très rapidement, du côté d'Avignon, se poser les bonnes questions et surtout amener les bonnes réponses. Ah oui, oui. Mais là, c'est pas très, très compliqué. Hein. C'est de l'agressivité et de la solidarité en défense. Quand on sait que cette même équipe a 4 joueurs. Pendant 10 minutes, il y a 3 semaines, à la fin de la finale de la Coupe de France, est capable de gagner le titre en marquant 2 essais à l'équipe des Dragons. Contre les mêmes. Contre les mêmes. Comme quoi en sport. Et voilà. Difficile. Pénalité à nous du fauteuil, s'il vous plaît, Gilles. L'arbitre considère que Gilles n'avait pas stoppé son fauteuil. Donc il était toujours en mouvement. Et c'est une obligation pour la remise sur le tenu. Il faut que le joueur soit arrêté. Donc, arrêté face à l'embut adverse. Voilà. Donc premier temps de la pénalité, le joueur va chercher la touche. Et deuxième temps de la pénalité, on va assister à une remise en jeu sur un tap penalty. Donc les joueurs d'Avignon, voilà. Bon, Emeric. Allez, faut qu'Emeric avance. Joue vite. Allez, Guillaume. Guillaume, une fixation. Deuxième. Ok. Et voilà. Arrêt du temps. Il y a une faute, à mon avis, involontaire de la part de Nicolas, mais il y a une faute. Il y a une faute, il lui rentre en plus par l'arrière le fauteuil, donc. Plus peur que de mal, il semble pas avoir de séquelles. C'est compliqué à juger pour les arbitres parce que ça va très très vite. Effectivement, donc pénalité, l'arbitre juge qu'il y a une pénalité. Reprise du temps. Une pénalité. Bon, Julien. Ce qui va donner une seconde chance à Avignon. Une fixation sur les poteaux. Oh voilà, un bel essai. Non, grâce... Nicolas l'a déflagué. Ah bon. Nicolas l'a déflagué. Okay. Ça va tellement vite, Sylvain, que même moi je l'avais pas vu. Alors ils construisent hein, là, ils ont le temps. Ils essayent d'aller au milieu. Et là, voilà, par contre, un bel essai avec une fin de corps de Yann Verdi et qui aplatit à la sortie de sa feinte. Ouais. Un bel essai qui va, j'espère, permettre à Avignon de revenir dans le match, mais ça va être compliqué. Mais ça va être compliqué parce qu'on sent qu'on est quand même encore sur de l'exploit individuel et qu'il n'y a pas réellement un jeu collectif qui est posé. Ah oui, oui, ils ne jouent pas en équipe pour le moment, ils ne sont pas rentrés dans leur finale. Et... Malgré tout, une transformation par Florian Coutadoro. Donc Perpignan 28 et Avignon 8. On est toujours à cette différence de 20 points, ce différentiel de 20 points qui va être compliqué
pour nos amis des Bisons avignonnais à remonter. Oui, oui, si. Pas impossible, hein, pas, encore une fois, 13 fauteuils, ça va très vite. Mais, ils ont peut-être placé la barre un petit peu haute sur le challenge en s'accordant, en accordant pardon, à Perpignan la possibilité de les mêler de 20 points en un quart d'heure. Oui, oui. Kevin Pastore à la réception de ce coup d'envoi. Et Arnaud Vergas qui essaye de. Stop! Jouer! La Florian à la fixation. Kevin est peut-être le joueur Avignon qui a la possibilité de renverser un peu la finale et pour l'instant, on le voit pas trop. Chose. Non, on le voit pas trop. Ils vont jouer au pied là. Ils vont jouer au pied. Voilà, justement, Kevin en pointe. Là, ils ont pris la décision de taper au troisième tenu pour essayer de surprendre un petit peu le dispositif défensif catalan. Voilà Gilles qui joue. Ça y est, on est rentré dans la finale, ça commence à enchaîner les chaînes. On était à la limite de la passe en avant. Mais l'arbitre était sur la même ligne. Et une tentative de drop de Gilles qui est reprise par Guillaume Motz pour Avignon. Allez. Allez, voilà Kevin. Voilà une bonne passe de Kevin pour Emric. Une fixation. Il faut que ça joue vite. Il faut que ça joue vite. J'ai l'impression aussi que Florian a compris ça. Voilà. Ça enchaîne. Florian. Il cherche à libérer. Il a été touché cinquième et dernier. Une passe au pied. Et c'est récupéré par Arnaud Vergas en défense. Ce qui va permettre aux Catalans de repartir sous leur poteau. Deux bonnes chaînes et des enchaînements, le ballon qui a pas de faute. Voilà. Ça va être compliqué là. Et on a vu la différence de motricité, si je puis dire, entre Guillaume donc, qui essayait de revenir le plus rapidement sur ce ballon pour défendre. Et puis Nicolas Clauzel qui avec sa puissance. Oulala, attention. De nouveau l'incompréhension. Un arrêt du temps demandé par. Il y a une fébrilité du côté d'Avignon et des fautes qui n'ont pas l'habitude de faire. Quoi. Oui, c'est pas des. Vraiment, moi je les ai vus plusieurs fois jouer cette année. Et effectivement, quand on fait une passe comme ça, un petit peu dans le vide, sans savoir qui la prend, à qui elle est destinée, c'est que on a. Ils y sont pas. On est perturbé mentalement. Là, il y a quelque chose qui. Ils n'arrivent pas à rentrer là-dedans. Et... Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir atteint une partie de l'objectif, c'est-à-dire réussir à décrocher le titre de la Coupe de France, qui fait qu'ils ont un petit peu de mal à se remettre sur ce titre de champion de France? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que les Catalans ont. On suit les prendre à la gorge. Oh, je trouve pas, non. Les Catalans, ils font une entame de match qui est normale, cohérente, mais qui n'est pas extraordinaire. On commence malgré tout à avoir quelques prémices. Hein, un jeu qui des chaînes qui s'organisent un petit peu plus avec une mainmise de Florian Contadoro sur l'organisation du jeu avignonnais. Et comme tu le rappelais tout à l'heure, Sylvain, il me semble quand même que Julien manque. Hein, Julien Verdi, là, en tant que. Yann, pardon. Oui. Dans l'organisation. Alors, j'ai plus que dans l'organisation, dans l'état d'esprit. Défensivement, il amène une agressivité qui manque cruellement là, sur cette première chaîne. Ok. Ça serait bien s'il pouvait marquer pour le match, mais. Ah,
Une libération par Kevin. Il est passé en, il est passé en touche, ouais. Effectivement, un passage de la roue de Julien Verdi en touche. Heureusement, parce qu'on était pas loin, et juste avant une libération de Kevin Pastor. C'est reparti pour les Catalans avec une succession de libérations. Gilles à la manœuvre pour Jérémy. Attention à la puissance de Jérémy. Une faute de la part de Julien qui s'est agrippé au maillot. Ok, messieurs, trop de faute. Trop de faute. Carton jaune collectif. Okay. Voilà, donc l'arbitre est obligé de prendre une décision. Et en fait, il avertit tout simplement toute l'équipe qu'à la prochaine faute de ce style, eh bien, le joueur responsable de la faute sera exclu. Temporairement avec un carton jaune. Oui, c'est tout à fait normal. Et oui, ils sont obligés de casser un petit peu ce rythme quand les déferlantes catalanes arrivent. Ah, premier tenu. Fixation par Gilles Clausel. Ah, voilà. Et d'un autre côté, les Catalans qui essayent vraiment à la limite du raisonnable, voire au-delà, puisqu'ils sont sanctionnés pour ça. D'alterner les moments forts et les moments faibles. C'est une finale qui peine vraiment à démarrer. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de cassures, de pénalités de chaque côté. Il n'y avait que 3-4 chaînes qui se sont enchaînées. Et pour le moment, on sent vraiment les acteurs crispés. Alors surtout du côté d'Avignon, mais même les Catalans ne sont pas sereins. Ouais, rappelons que pour nos téléspectateurs habitués, on avait eu la finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans, la finale l'an dernier avec des matchs très spectaculaires. Et puis cette année, ce match qui a du mal à se lancer. Hein, ce qui ne veut pas dire que ça va durer tout le match, bien évidemment. Hein, à un moment donné, il va falloir. Et je compte sur Florian Sailly, l'entraîneur d'Avignon, comme il avait su le faire à la mi-temps à Carcassonne pour un petit peu remettre ces joueurs dans le droit chemin. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est un petit peu à la pioche, comme on dit, hein, du côté avignonnais, et ce qui fait que le spectacle n'est pas au rendez-vous. Allez, Nicolas. Voilà, Gilles qui arrive dans la zone du tenu. Qui est venu chercher la faute et qui l'obtient. Ouais. Julien Verdi n'était pas dans l'axe du tenu et Gilles il a le sentiment d'être resté en place, mais il avait bougé, donc à partir de là, comme il avait bougé, il était obligé de repartir à 5 mètres. Il est surtout pas dans l'axe du tenu de Nicolas. D'accord. Il n'était pas en face de Nicolas. Ok, très bien. Et Gilles est venu le chercher exprès pour obtenir le coup franc. Il l'avait bien vu, oui. C'est ce qui fait la qualité de Gilles, hein. Un petit peu Gilles Clausel, un joueur très expérimenté avec une excellente vision du jeu, un déplacement très très rapide dans son fauteuil. Ok. En tout cas, libération de Joël Lacombe pour Jérémy Bourson. Jérémy Bourson qui se reflague. De nouveau Joël Lacombe. Une passe pour Arnaud Vargas sous les poteaux. Attention, voilà. Gilles Clausel pour. Vous avez vu, il y avait encore Jérémy Bourson qui s'était proposé. Quatrième. Il va y avoir coup franc. C'est la guerre psychologique là, hein, entre les Catalans qui cherchent la faute, les Avignonnais qui. Un en avant de Jérémy, donc on laisse jouer bien évidemment l'avant. Voilà, il n'y a pas d'avantage sur l'en avant, donc on revient au point de départ. Allez, Guillaume Motz qui essaye. Ok, deux simultanés. Go. Allez, Emeric dans l'axe
Position de hors-jeu des Catalans. Ce qui va permettre à Avignon de chercher à avancer avec un premier temps de pénalité vers la touche. Et une remise en jeu de nouveau avec un tap penalty. Et le bouclier qui vacille. Oui, un petit peu à l'image du rythme de ce match. Ça vacille. De temps en temps, on sent qu'il y a une volonté de rentrer dedans, puis très vite derrière. C'est haché. C'est haché, ça manque de consistance, on va dire. Allez, Julien à manœuvre. Guillaume sous le poteau qui libère. L'arbitre annonce quatrième tenue pour Emeric. Oui. Quatrième joué. Ça a du mal à enchaîner des deux côtés. Ça a vraiment du mal. Beaucoup de chutes. Sixième tenue. Effectivement, et en fait, Julien a essayé de chercher à son tour la position de hors-jeu de Gilles. La même faute, oui. Malheureusement, ça n'a pas été le même jugement de la part de M. l'arbitre. Voilà, donc. Première tenue, bien Guillaume. Allez, Jérémy Bourson qui a cassé la ligne. Attention, là, ça va très vite. Une petite passe. Il y aura en avant. Et à mon avis, balle pour les Catalans. Ok, en avant, messieurs. Ici avec moi, messieurs. Jérémy, attendez. On voit Julien Verdi qui remet en cause toutes les décisions de l'arbitre, c'est qu'il est perturbé parce que franchement, là il y en a en avant. Voilà. C'est haché, il y a vraiment beaucoup de fautes. Ouais, je pense que Julien a besoin de se recentrer sur son propre jeu et de revenir dans la partie. Là. Il est trop en train de discuter les décisions de l'arbitre. Allez. Okay. Julien avec moi pour deux. Ok, deux. Allez, il faut poser le jeu, construire la chaîne. Troisième, trois. Allez, Kevin qui arrive lancé. Voilà, Kevin. Okay. Très bonne libération de Kevin. Allez. Intervention encore. Quatrième, bonne défense, ça joue. Oui, excellent. Voilà, très très bel essai. D'Avignon avec une très belle libération, hein, un bon timing au niveau des tenues et les joueurs placés avec d'abord une fixation sur le côté droit et puis après on va jouer dans la partie large du terrain. Le vrai décalage c'est la prise de balle de Kevin qui arrive à éliminer Nicolas et qui ensuite délivre la passe pour cette pénétration. Tout à fait. La vraie problématique pour Avignon, c'est de créer un décalage. Et Kevin en est capable. Après savoir jouer une fois qu'ils sont dans le déséquilibre, ça, ils savent faire. Mais la vraie problématique, ça va être ça. Leur capacité à pouvoir générer un déséquilibre. Donc, les Bisons d'Avignon à 30 minutes de cette première mi-temps qui reviennent à la moitié du score de Perpignan. 28 pour Perpignan, 14 pour Avignon. Ils sont en train d'essayer de combler le retard. Gageons pour eux que les Catalans ne soient pas en mesure de remarquer d'ici la mi-temps. Et pour eux, il faudrait bien d'essayer de remarquer un minima une fois. Ah oui, s'ils veulent exister en seconde mi-temps et les faire douter. Mais un peu à l'exemple de ce qui s'était passé lors de la finale de la Coupe du Monde. Dans ce type de match qui sont très tendus et très hachés, l'équipe qui mène au score a tout intérêt à poursuivre dans ce déroulement et dans ce tempo de match. Tout à fait. Bon, c'est un tempo que les Dragons apprécient, hein, avec leur capacité à changer de rythme. Et puis qui favorise du fait qu'ils mènent. Ouais, ni Gilles, ni Nicolas, ni Jérémy ne sont gênés par ça. Oui. Allez, une fixation de Julien. Allez, encore une très belle avancée. Allez, Guillaume au milieu. Qui bloque pour revenir, toujours milieu. Julien qui arrive. Aïe. Il avait c'est annoncé avant, cinquième et dernier tenu. C'est annoncé par monsieur l'arbitre David Rogue. Jouez, c'est... Go. Allez, une prise de balle par
Kevin, et qui va conclure la chaîne par un drop. Donc un point de plus, 28-15. C'est important psychologiquement de marquer des points quand on est chez l'adversaire, et il me semble qu'ils sont dans cette dynamique-là maintenant. Il va falloir rentabiliser les efforts, optimiser chaque pénétration dans le camp catalan pour essayer de grignoter cet avantage de 28 points. Oui, ils sont beaucoup mieux qu'en début, mais bon, ils ont encore des points de retard. Et c'est vrai que dans l'optique de la seconde mi-temps, s'ils pouvaient marquer, ça serait bien pour le suspense. Mais ça me paraît compliqué, ces 20 points qui traînent depuis le début. Ce joueur a fait une bonne rentrée. Hein. Oui. Allez, Guillaume, allez. Compliqué quand on joue face à face avec Jérémy à côté. Allez, Julien. Parfait, encore Guillaume. Allez. Allez, Julien là. Oh, magnifique. Magnifique libération avec un changement de direction au dernier moment, ce qui permet, qui donne la possibilité d'ouvrir l'intervalle, et le joueur des Bisons qui vient marquer entre les poteaux. Et c'est validé par le corps arbitral. Et voilà, donc Avignon qui revient dans sa finale, qui revient dans son match, et qui va se rapprocher. Qui va revenir à un essai. Tout à fait, voilà. Donc on est dans une logique de finale de championnat de France partagée. Maintenant, gageons que ces efforts consentis pour revenir ne soient pas de trop et les obligent à dépenser trop d'énergie, et qu'ils payeront forcément à un moment ou à un autre en deuxième mi-temps. En tout cas, 21 pour Avignon, Perpignan 28. On est à 7 minutes, 6 minutes de la mi-temps. Ce qui est certain, c'est que le regain d'Avignon et le retour un petit peu correspond à la rentrée de Matteo Lamy, qui a fait énormément de bien dans les intentions et dans ses prises de balles. C'est ça, bon, il a amené de la fraîcheur. Il n'était pas de l'aventure de la Coupe de France, et il a cette fraîcheur, lui, au titre, il le veut. Kevin Pastore, excellent débordement de Kevin Pastore, qui provoque même, in fine, une pénalité. Voilà, monsieur l'arbitre explique que le joueur 3 catalan, il considère du moins que le joueur 3 catalan s'était agrippé au maillot. Donc on avance au pied dans un premier temps, et puis on va lancer la chaîne. J'ai l'impression que autant l'entame de match d'Avignon était très étonnante et catastrophique, autant on a l'impression que le mental catalan sur la fin de mi-temps est pareil. Ils sont en train de... Ah, est-ce qu'ils se sont pas vus gagnants trop tôt, peut-être ? Je sais pas, mais... Et encore. Et la particularité des Catalans en cette fin de mi-temps, c'est dès lors que Avignon rentre dans leur camp, ils ont tendance à se resserrer sous les poteaux et laisser des espaces relativement importants sur les ailes. Non, on a l'impression qu'ils subitement ils se mettent à paniquer et de nouveau eux aussi à faire des choses comme lors de la finale de la Coupe de France qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire, et des comportements très étonnants. Alors ouais, voilà, Jérémy. Bien. Oh, double déflagage. Eh oui, la faute est liée, même si Emeric a tendance à discuter le choix de l'arbitre. Okay. La faute. C'est Julien qui a fait la faute, hein, qui était devant. Oui, mais Mathieu disait que non, donc. Emeric, pardon. Okay. Et la faute était bien réelle. Allez, une fixation par Arnaud. J'aurais peut-être tapé la pénalité. Ben, ça a empêché surtout. Ça a obligé à marquer deux fois pour revenir. Ouh là 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 là. Il me semble que
Je pense qu'il va, il va siffler le tenu. Ouais. Tu sens, à aucun moment il a eu l'impression, il a donné l'impression, monsieur l'arbitre, de valider l'essai. Après, c'était juste de savoir s'il y avait un en avant ou un tenu. On est sur le tenu. Ouais. Le joueur qui se met en position latérale hein, avec son fauteuil. Et donc, on imagine bien que le moindre choc amène un déséquilibre. Alors, c'est spectaculaire, mais les joueurs. Tentative de drop avortée. On rejoue Jérémy. Attention. Et un essai marqué par Nicolas Clauzel qui vient dans l'intervalle, qui échappe au déflagage et qui, dans même déséquilibré dans sa chute, va aplatir. Un essai important pour Perpignan malgré tout. Parce que ça va leur permettre de reprendre le large et peut-être d'assommer Avignon qui commençait à revenir. Je ne pense pas qu'ils vont les assommer, mais oui, c'est toujours mieux de basculer à plus 12. Ah, ils ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de restructurer leur jeu Avignon et revenir. Et puis là, c'est quand même une situation au départ qu'ils maîtrisaient. Et simplement, encore une fois, une mauvaise communication qui amène... un intervalle à se créer, et bien évidemment, quand on a un joueur de la classe de Nicolas Clauzel, sa puissance et sa capacité, sa dextérité, j'ai envie de dire, et bien malheureusement, même en déséquilibre, il est capable d'aller aplatir. Oui, Perpignan qui va basculer, qui risque de basculer à plus 12 à la mi-temps. Et lancer le premier échec transformation de l'essai par Nicolas Clauzel lui-même. Et on est donc à 32 pour Perpignan et 21 à Avignon. Donc un plus 11. Un plus 11. 1 minute 30 pour essayer de combler avant la mi-temps. Ça paraît compliqué. Alors on ira voir à la mi-temps. Le DTN de la Fédération Française de Rugby à 13, monsieur... Jacques Plat, qui a pris tout récemment son poste de directeur technique national et puis qui est là aujourd'hui pour sa première finale de rugby 13 fauteuil. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir son avis, un petit peu de néophyte sur ce spectacle. Voilà, et puis je vais également essayer d'interviewer... Notre ami Julien Verdi. Yann. J'ai dit Julien. Non, oui. Yann, je vais arriver. Hein. On peut penser que peut-être que d'ici la fin du match, je vais enfin ne plus les confondre. Puis Yann, bien évidemment, qui est blessé. Et que j'ai vu avant... avant le début du match pour lui demander si éventuellement on pouvait récupérer ses impressions. Donc je vais aller voir très rapidement ces deux personnes. Je vais essayer d'abord d'avoir Julien. Sylvain, un petit résumé de cette première partie s'il te plaît. Ben, un début de match à sens unique avec des Catalans qui sont très bien entrés dans leur partie et Avignon pas du tout, qui ont rapidement mené de 20 points. Et puis petit à petit, Avignon qui est revenu, mais qui quand même finit à moins 11. Donc ça laisse beaucoup d'espoir à Avignon pour la seconde mi-temps, à condition de ne pas refaire la même entame de seconde mi-temps. Voilà, donc je vais laisser la parole à Yann. Alors Yann, une première mi-temps un petit peu compliquée pour Avignon, qui a eu beaucoup de mal à rentrer dans son match. Et puis un retour sur la fin de mi-temps qui permet, malheureusement... une faute de communication qui autorise Perpignan à reprendre un essai juste avant la mi-temps. Mais de ton côté, un petit peu cette perception. En fait, j'avais dit vraiment que le début du match serait très très important. Les 15 premières minutes seraient très importantes. Et là, on l'a payé cash, que les 20 premières minutes, on a été inexistants. Les Dragons, dès que ça joue, ben, c'est compliqué à jouer.
Et dès qu'on s'est réveillé, on a fait un changement ou deux. Et c'est vrai que ça a été un peu plus simple. On a commencé à marquer et on a commencé à mettre en place notre jeu à nous. Donc c'est bien. On avait l'impression que au début du match, Avignon n'était pas sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là. Alors est-ce que c'est un petit peu une décompression par rapport au fait que la Coupe de France avait été gagnée il y a 3 semaines, où je pense que vous aviez tout fait pour essayer d'évacuer ça, de repasser à un mode compétition. Mais inconsciemment, les joueurs ont eu du mal à rentrer dans ce match, ou est-ce qu'il y a eu un impact psychologique particulier des Catalans avant le match? Je pense pas que cette coupe elle nous fait beaucoup de bien, je pense, déjà pour nous. Mais je pense que c'est voilà, le match, la finale d'aujourd'hui qui est encore compliqué à gérer pour nous. C'est pas enfin, les Dragons, c'est plus, on les présente plus, hein, mais voilà. Aujourd'hui, voilà, je pense pas que la coupe soit en rapport avec notre début de match, vraiment pas du tout. Les garçons sont prêts, c'est juste que voilà, on a mis un moment à rentrer dans le match et les consignes étaient de rentrer dès les premières minutes si possible. Tu sais que à la Coupe de France, pendant la mi-temps dans les vestiaires, Florian, là, vous aviez tensé. Hein, je le vois faire là actuellement dans ton dos, remonter ces joueurs. Donc on peut penser à juste titre que les Bisons d'Avignon vont revenir avec un tout état d'esprit. Après ce qu'ils sont en train ce qu'il est en train de leur mettre, à mon avis, je pense que oui. Et puis c'est ce qu'il faudra faire si on veut gagner le match et si on veut ramener le bouclier à la maison. Pour moi, il y a la place. C'est juste que du coup, si on laisse le ballon à Perpignan, on va manger comme les 20 premières minutes du match. D'accord, bon, très bien. Et puis alors, à titre personnel, des nouvelles au niveau santé, puisqu'on sait que tu t'es blessé malheureusement en finale du Coupe de France. Alors, un petit peu déception, compensée par l'acquisition et l'exploit des collègues qui, à 4, ramènent le titre en PACA, on va dire. Mais quand même certainement une déception. Ouais. Ça fait partie du jeu, on va dire. Ça fait vraiment partie du jeu du sportif. Je traînais ça depuis un petit moment. Sur la finale, j'ai senti que c'était un peu la partie de trop. Mais moi, je suis convaincu que là, avec le groupe qu'il y a aujourd'hui, on est capable de faire encore un énorme résultat. Et à mon avis, il va falloir faire une grosse seconde mi-temps pour aller chercher ces Dragons. Parce que voilà, c'est pour moi aujourd'hui, sur la saison qui est passée, les deux plus belles équipes du championnat. Donc à Bison, rien d'impossible et on va attendre avec impatience cette deuxième mi-temps. Merci beaucoup et bonne chance. À bientôt. Voilà, donc Sylvain, tu vois, les Bisons sont pas abattus. Hein, ils ont encore l'envie et l'objectif d'aller arracher ce titre. D'arracher ce titre au Dragon catalan. Allez. Effectivement des soucis pour d'entame de match. Mais nul doute que le discours de Florian va permettre à ces joueurs avignonnais de revenir plus fort. Avec moi, Xavier Vasson. Xavier Vasson est membre du comité directeur de la fédération et qui est responsable de l'événementiel et donc l'organisateur de cette journée. Xavier, un premier sentiment sur cette finale 2019? C'est une finale engagée. On a vu les Dragons catalans bien démarrer cette première mi-temps. Et puis Avignon qui revient. Donc c'est beau, il n'y a pas grand-chose au score. Il y a quelques semaines, c'était à peu près pareil sur Carca. En tout cas, je suis content parce qu'il y a un peu de monde. Les Montauban ont organisé ça d'une manière... c'est super, quoi. On est vraiment très très bien accueillis, bien organisés. On a vu aussi tout à l'heure une belle finale Elite 2. Donc voilà, je crois qu'il faut que les gens viennent voir ce sport parce que c'est vraiment un super sport, un très beau sport. La fédération est avec tous ses joueurs et on veut vraiment que ce sport soit monté beaucoup plus haut, quoi. Donc on est content. Moi je suis content de cet après-midi là. Content, et on sait quand même qu'en tant que président de la Ligue PACA, est-ce qu'il y a une légère balance pour ton cœur côté Bison ou que le meilleur gagne? Ah, que le meilleur gagne, mais bon voilà. Là je pars au niveau élu fédéral. Et puis je me remets ma casquette de l'autre côté, mais voilà, je serais content que les garçons qui font un travail à Avignon depuis plusieurs années, qui ont déjà gagné la Coupe, ça serait bien qu'ils fassent le doublé. Mais bon, il y a une très très belle équipe catalane quand même. Effectivement, oui, c'est un drôle de match. Hein. Ils ont bien digéré la défaite à Carcassonne. J'accueille Jacques Plat, le directeur technique national de la Fédération française de rugby à 13. Bonjour Jacques. Donc, nouveau directeur technique national de la Fédération française de rugby à 13, une première expérience en tant que spectateur
de cette finale de championnat de France. Tes impressions ? Alors dans un premier temps, pour ceux qui doutaient que le sport, le rugby à 13 fauteuils était du haut niveau, là vraiment on s'aperçoit que c'est du très haut niveau. Les Perpignanais et les Dragons catalans ont commencé vraiment une entame extraordinaire en menant, en ayant 100% de réussite. Et là, ça s'est équilibré, ce qui permet à tout le monde d'apprécier encore plus cette finale. Et ça reste vraiment indécis pour la deuxième mi-temps. Et puis alors, tu as vu quelques matchs maintenant de Valide. Et quand tu vois un match de 13 fauteuils, est-ce que tu as vraiment l'impression qu'on assiste à un match de rugby ? Ah, pour moi, la logique interne de l'activité est tout à fait respectée. On y voit effectivement des gestes et des gestes qui s'apparentent aux 13. On ressent véritablement que la discipline, d'abord, a été très bien étudiée. C'est un produit qui fonctionne tout à fait. Et véritablement, on sent que les joueurs prennent beaucoup de plaisir à jouer, ça c'est certain. Et nous, en tant que spectateurs, vraiment, on se régale, on voit de l'intensité, de la dépense physique. Après, on voit des phases de jeu individuelles, des phases de jeu plus travaillées collectivement. Vraiment, vraiment, c'est un vrai spectacle. Voilà, et puis en tant que directeur technique national, on a donc l'équipe de France championne du monde, avec une tournée dans 15 jours des Anglais qui vont venir défier ce 13 de France fauteuil en PACA, puisque deux matchs sont programmés. Sans nul doute, tu seras aussi sur une de ces rencontres avec le président Marc Palanque, parce qu'on sait que le président aime beaucoup venir sur les... Et voilà, le premier supporter. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette venue sur les matchs internationaux ? Alors, ce sont des test matchs, puisque la Coupe du Monde aura lieu en 2021. Alors, il faut être un peu coquin, mais je pense que l'encadrement... Le staff de l'équipe y a réfléchi. Il faut effectivement à la fois s'employer pour connaître son adversité, mais nous peut-être pas montrer tout notre savoir-faire. On a gagné la dernière, il y a la prochaine en 2021. Ce sont des équipes qui se connaissent parfaitement et à mon avis ce sont des test matchs où il faut lancer des équipes, des joueurs qui doivent s'aguerrir. Les joueurs confirmés, on connaît leurs forces. Et ça sera intéressant de voir où en sont les Anglais, je pense, pour nous. Et ensuite, sur ce genre de test match, c'est important aussi de gagner pour la confiance. C'est toujours important de gagner contre les Anglais en rugby, Jacques. En tout cas, merci de ton interview. Et puis, bonne seconde mi-temps et que le meilleur gagne. On va passer l'antenne maintenant à TV Occitanie et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps. Tres, Margarita et un piquelou. Certo. Ah bon? Certo, ça veut dire bien sûr. Je sais très bien ce que ça veut dire. Ah oui, vous avez l'accent romain, j'avais reconnu. Gracias. Prego. Prego tu. Je ne peux pas vivre dans une caravane toute ma vie. Un jour, tu regretteras notre vie de bohème. Je crois pas, non. Si ça te tente, je fais un concert classique avec un orchestre de jeunes au début des vacances. Carrément, c'est où ? En Italie, à Venise. De l'argent, moi, je ne trouve pas sous le sabot d'un cheval. Je sais, mais j'aimerais trop y aller. J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise. T'es sérieux ? Avec notre caravane. Ouais. Bah, ça te fait pas plaisir ? Tous les chemins mènent à Rome. Et Venise n'est pas bien loin de Rome. Ah, yeah ! Banane, allez, tous ensemble, allez ! Bienvenue chez les dingues. Juste en face de Venise, il y a un camping, pas cher du tout. On n'est pas bien ici. La cuisine à côté. L'usine, elle pue, mais elle ne fait pas de bruit. Et donc, un retour au gymnase de la Fobio à Montauban pour cette deuxième mi-temps de la finale du championnat de France élite 13 fauteuils. L'équipe de Dragons de Perpignan 32 et celle d'Avignon, les Bisons d'Avignon 21. Donc une première mi-temps difficile pour Avignon, un gros travail pour revenir au score. Et une deuxième mi-temps totalement incertaine. Donc on va voir très rapidement
quel va être l'état d'esprit des joueurs avignonnais face à l'expertise catalane. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de compo, ben, Perpignan a décidé de faire un peu tourner puisque Gilles est sorti. Donc on va voir comment ils vont jouer avec cette nouvelle composition et avec peut-être moins de joueurs capables de changer le tempo, mais plus de travailleurs. Voilà, une libération d'Arlan Vargas qui était un petit peu tardif par rapport au fait qu'il avait été bloqué et considéré comme tagué. Une fixation côté droit. Et puis un jeu au pied rasant. Une position de hors-jeu, semble-t-il. De Jérémy, ouais, qui semble être parti légèrement devant. C'est ça. Donc comme chez les valides. Le joueur soutient au joueur qui effectue le coup de pied doit partir derrière lui. Bah déjà, rien que par rapport à la première chaîne, Avignon est mieux rentré qu'en début de match. Ils ont effectivement réussi à conserver le ballon. Deux fois. Allez, Kevin qui se présente, voilà, et qui accélère dans la zone du tenu. Contact illicite sur Kevin. Il avait bien visé la zone du tenu. Il s'était sorti. Et malheureusement, je pense que le défenseur catalan avait été pris à défaut et a commis une faute. Première fixation. Guillaume Motz dans l'axe. Et voilà, on arrive avec Matteo. Revient dans l'axe par Guillaume. Julien. Oh, dommage. Quel dommage. Mais effectivement, ça avait été annoncé plus tôt. Julien, cinquième tenue. Ouais, pareil que Arnaud, il a libéré un poil trop tard. Le public gronde parce qu'il considère qu'il y avait un en avant parce qu'il y a eu un double contre. Oula. Attention. Voilà. Nicolas qui a la particularité, comme il est des joueurs valides et donc de disposer de ses abdominaux hein, et de pouvoir, sans intervenir sur ses roues, provoquer des changements de direction de son fauteuil. Donc c'est vraiment difficile à défendre. Mauvaise passe et en avant. Et les Catalans qui se mettent à se faire quelques fautes qu'ils ne faisaient pas en début de rencontre. Et si jamais Avignon marque, je pense que le doute est capable de revenir très rapidement. Allez, Matteo Landry, application. De nouveau, Julien Verdi, qui a été tagué. Cinquième et dernier, ça va être compliqué parce qu'ils n'ont pas trop de solutions. Et un drop. Et c'était le meilleur choix hein, parce qu'en jouant côté gauche, malheureusement il était le seul attaquant. Donc pour optimiser son action au cinquième tenu, le choix du drop était pertinent. Ce qui permet de revenir à 10 points. Ouais, ça a été le plus petit écart depuis le début du match. Donc saluons ce travail à Vignolet. Face à Perpignan. En tout cas, ils font une entame de seconde mi-temps complètement différente de la première. Et allez, on va avoir un renvoi à la main. Oui. Renvoi à la main. Ben, disons tout simplement que sur les débuts de chaîne, ils posent leur jeu. Hein, ils ne se précipitent pas. Et dès lors, quand ils arrivent au troisième ou quatrième tenu, s'ils ont réussi à créer un petit peu de déséquilibre, ils peuvent exploiter. Comme voilà, très double déflagage sur Guillaume qui avait réussi à casser la ligne hein, et à sortir l'intervalle. Ce
C'est un peu incompréhensible la façon dont ils défendent les joueurs des Dragons. Incompréhensible pour vous, Sylvain, parce que c'est l'expérience et vos deux titres de champion du monde qui vous permettent de dire ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui visent davantage les flags des joueurs que les fauteuils, et que c'est beaucoup plus facile d'arrêter le fauteuil et dans un deuxième temps de plaquer. C'est une subtilité importante, on va dire. Quand on défend, effectivement, on aurait tendance à croire que l'idéal, ce serait de déflaguer le plus vite possible. Mais en fait, le plus important, c'est de bloquer le fauteuil et ensuite de déflaguer. Oui, ce que vient de faire Julien Verdi là, à l'instant. Voilà, de bloquer le fauteuil et ensuite de déflaguer tout doucement. Ce qui correspond un petit peu à ce qui se passe en valide. Hein. Tout à fait. Où on cherche à bloquer l'avancée de l'attaquant et ensuite de le mettre au sol. Contrôler le tenu. Contrôler le tenu, exactement. Alors attention, une libération. Ouyayay, un plaquage manqué, deux plaquages manqués. Ça va être compliqué. Encore une libération, une passe. Jérémy, attention, hall. Quatrième tenue. Et ça défend fort. Cinquième tenue. Et elle en avant. Ouais. Toujours très compliqué à bien doser hein, le timing des courses, à la fois pour le premier attaquant et à la fois pour celui qui effectue son tenue. Il faut malgré tout avoir une certaine complicité. Il y a ça et aussi le fait que Arnaud Vargas, qui était le joueur qui a fait son tenue avant, du fait qu'il soit double amputé, est très instable et qu'il a beaucoup de mal à... On ne sait jamais quand est-ce qu'il va pouvoir stabiliser son fauteuil. Donc effectivement, ça, Nicolas qui est venu vraiment à hauteur, c'est plutôt compliqué d'anticiper ça sur un garçon qui est instable sur son fauteuil. Tout à fait, Sylvain. Et peut-être que c'est le moment aussi de préciser que, bien évidemment, hein, les équipes sont composées de 5 joueurs sur le terrain, 10 dans l'absolu sur la feuille de match, donc avec une possibilité de coaching différent. Mais par contre, la particularité du championnat français, c'est d'avoir uniquement 2 joueurs valides sur le terrain en même temps, maximum, oui. Et donc 3 joueurs en situation de handicap à leur côté et 3 joueurs avec des handicaps différents puisqu'il y a une classification qui a été mise en place, oui. De 5 pour les joueurs valides jusqu'à 1 pour les fauteuils permanents ou les personnes en situation de handicap les plus lourdes. Et donc effectivement, comme tu le rappelais justement, Sylvain, en fonction du handicap, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles pour certains joueurs. Oui. Et là, par exemple, clairement par rapport au début de match, sur le placement, Guillaume Mauss par exemple est reparti sur une position extérieure parce que c'est un des garçons les plus lourdement touchés et les moins polyvalents. D'accord, donc Guillaume qui vit désormais en fauteuil permanent. Hein. Oui, qui est un ancien champion de kickboxing dans sa vie valide. Parce que je crois qu'il a été champion d'Europe. J'allais le préciser, mais j'en étais pas sûr. Mais comme on est deux à avoir ce sentiment-là, je pense qu'on considère que c'est la vérité. Voilà, donc fixation de Matteo, Landry, et justement Guillaume qui prend ce ballon pour le fixer. Il va taper. Ouh là là. Il avait une intention, mais il n'a pas eu le temps de pouvoir le faire. À suivre, hein, une bonne chasse par Guillaume Mauss qui oblige les Catalans à repartir quasiment de leur en but. Ce qui est certain, c'est que... Et un coup de pied pour essayer de surprendre. Il y a un rythme complètement différent de la première mi-temps. Tout à fait. Et, c'est et donc Kevin qui vient d'échapper. C'est beaucoup moins haché, il y a beaucoup moins de fautes et... Une très belle réception sur le coup de pied de Kevin qui a permis à son équipe. Effectivement, une pénalité signalée par l'arbitre puisque on a un déséquilibre du fauteuil provoqué par le joueur
catalan sur Julien Verdi. Et une volonté de marquer des points toujours encore. Hein. On est dans cette logique de revenir au score, essayer de se rapprocher au maximum. Oui. Ce qui leur permettrait de revenir à 8 points. En tout cas, l'idée c'est de faire douter les Catalans pour être à moins de 10 points le plus tard possible. Tout à fait. Avec si l'avenir leur permettait d'avoir une pénalité supplémentaire, ils reviendraient à un essai. Donc une tension un peu plus particulière en défense. Voilà, et c'est la transformation de cette pénalité qui permet donc au Bison d'Avignon par l'intermédiaire de Kevin Pastor de revenir à 24 pour Avignon et 32 toujours pour Perpignan. Alors, on sent clairement les Dragons un peu plus friables mentalement et Avignon d'essayer de rentrer dans cette brèche et de les faire au maximum douter, notamment au niveau du score. Tout à fait. C'est à l'image de ce qui se passe en Valide. Hein. Maintenant, c'est l'équipe qui est dans la bonne dynamique. C'est Avignon et l'équipe qui mène au score mais qui voit son capital se faire grignoter, qui peut avoir quelques doutes et qui aurait pu se laisser peut-être un petit peu endormir par sa situation de leader et qui maintenant doit s'obliger à reprendre la main sur le jeu. À une sélection par Emric. Et Guillaume qui se propose encore, qui joue dans le lot du qui défenseur. Qui avance beaucoup. Hein. Ouais. Allez, Matteo qui se propose encore. Ce jeune joueur là qui est intéressant. Hein. Au niveau des attitudes aussi, là où Avignon râler régulièrement en première mi-temps, là c'est les Catalans qui s'agacent plus facilement. Avec une faute involontaire, j'ai envie de dire, de Matteo qui se replaçait et une trajectoire de course de Nicolas Clauzel qui est venu malheureusement le percuter et qui l'a déséquilibré. Pénalité qui permet aux Catalans d'avancer. Deuxième temps, on va jouer avec un tap penalty et une fixation. Un jeu direct dans un premier temps. Ils vont aller chercher le milieu. Allez. Ils vont aller chercher le Nicolas milieu. Nicolas qui va chercher le milieu. Et attends, regardez. Ah là 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 là. C'est l'art absolu. Hein. C'est l'art absolu. C'est ce changement de vitesse par Jérémy qui fait qu'il ne laisse aucune chance au défenseur de pouvoir le bloquer ou d'intervenir sur son flag. Et puis il est là, il est dans l'embut. Il a déjà aplati au moment où le défenseur avignolais a tenté une action défensive. Ce qui est certain, c'est que la réalisation du tenu, lorsqu'elle n'est pas perturbée par les défenseurs, va beaucoup plus vite qu'en valide. Et donc le replacement est vraiment très compliqué. Quand on arrive à avoir cet enchaînement-là entre un joueur très rapide comme Jérémy et quelqu'un qui reflaque très vite comme Nicolas, c'est très très compliqué de défendre, notamment proche de la ligne. Voilà, c'est quasiment liaison, imparable. Ces liaisons entre joueurs sont importantes. Ouais. Et ça va permettre aux Catalans de prendre un peu plus le large et de respirer un peu plus. Et de revenir à plus 14. Oui, peut-être plus 16, si Nicolas transforme. Donc 38 pour Perpignan, 24 pour Avignon, plus 14, j'insiste, je signe, plus 14 pour Perpignan. Est-ce que ça va un petit peu freiner les Avignolais dans leur dynamique de reconquête? Ce qui est sûr, c'est que d'ici quelques minutes, Florian Guitadoro va re-rentrer. Et ça peut être une des composantes importantes de la fin du match. Si Florian refait une bonne rentrée et impacte bien. Et on peut penser aussi que de côté catalan, on va avoir le retour incessamment sous peu de Gilles. Un numéro de... Oh là 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 là. Là, ils assomment. À mon avis, ils sont en train. C'est un moment clé du match. C'est Nicolas Clauzel qui, en échappant à deux plaquages successifs, et sa capacité à sortir de la ligne et aller finir seul entre les poteaux. Est-ce qu'il n'a pas assommé le match là,
Peut-être pas, mais en tout cas, il a mis un bon coup. C'est quand même... Ah, difficile d'encaisser coup sur coup. Deux essais. Et surtout, de cette manière-là, avec des joueurs qui sont capables quasiment de traverser le terrain sur le deuxième essai, là, ça fait mal. Oui, quelle puissance de la part de Nicolas et cette capacité à rebondir et à repartir sans être déflagué. C'est ça, on l'a vu. Hein, on l'a vu avoir quasiment slalomé sur deux défenseurs pour échapper au déflagage. Et puis après, à la sortie, avec trois coups d'accélérateur sur les roues, là, se sortir de la ligne et de tout le danger et aller aplatir entre les poteaux. Il transforme lui-même son essai. On est revenu à plus 20. En très peu de temps, hein, en 15 minutes, Catalans ont refait leur bonus de plus 20 points. Oui. Perpignan 44, Avignon 24, compliqué. Très compliqué pour nos bisons là, d'aujourd'hui de revenir dans cette finale et disputer le titre. En tout cas, ils n'ont pas réussi à revenir à 6 points ou à moins de 6 points pour réellement faire douter les Dragons. Tout à fait, ça aurait pu être un moment clé, mais le moment clé à leur défaveur, il est arrivé là quand ils ont pris ce plus 12 en 2 minutes. Allez, ils sont repartis à l'attaque malgré tout. Une volonté de bien figurer jusqu'au bout. Emmerich dans l'axe. Et une accélération, une possibilité. Voilà, une pénalité qui avait été demandée par Julien, parce qu'il a considéré qu'on lui avait arraché le ballon quasiment. Oui. Décision que confirme l'arbitre. Un jeu de fixation sous les poteaux pour resserrer peut-être cette défense. Deuxième tenue, on est passé pas loin de l'exploit pour ce jeune joueur là, Matteo. Quand le joueur tombe comme ça, on peut pas enchaîner. C'est compliqué effectivement et c'est aussi le rôle justement, c'est le rôle de ces personnes là hein, qu'on voit intervenir sur le terrain, qu'on appelle les flaggeurs et qui viennent à la fois relever les joueurs quand le foyer est tombé et aussi recharger les joueurs en flag. Puisque, comme vous pouvez le voir sur chaque action défensive, le but étant d'arracher le flag, les joueurs arrachent et jettent le flag par terre. Et c'est ces taggers là qui sont très importants, qui permettent justement à nos joueurs de recharger leur flag. Quatrième tenue. Ah, une décision importante. Pourquoi importante? Parce que c'est un essai de pénalité qui est accordé aux Avignonnais. Alors, on bénéficie pas du ralenti, mais si on pouvait avoir le ralenti, moi je suis d'accord avec l'arbitre, parce que j'ai vu le joueur Arnaud Vargas bloquer la progression de Kevin Pastor en se mettant... au travers de sa route avec son fauteuil. Moi je trouve la décision difficile. Hein. Enfin, mais si... Moi il me semble que qu'il y ait une faute, il n'y a aucune contestation là-dessus. Que ça soit une phase d'essai non plus et qu'on puisse éventuellement exclure Arnaud sur cette faute-là. Mais accorder l'essai sans que la personne puisse aplatir. Parce qu'elle est en mouvement, le ballon est toujours en mouvement. Hein. On va regarder. On a la possibilité d'avoir le ralenti. En tout cas. Alors, c'est peut-être juste avant, parce que là c'est trop tard. En tout cas, je trouve dur le fait d'accorder un essai de pénalité alors que le ballon n'est pas arrêté. Mais peu importe, la décision est prise. Oui, il faut faire avec. On reviendra pas dessus. Oh. Ni nous, ni l'arbitre. Donc, on est à 44 pour Perpignan et 30 pour Avignon. Et on sent, hein, la tension monte un petit peu. Là, on est à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Et on est revenu à plus 14 pour les Catalans. Et les deux bancs là commencent à prendre conscience que le temps s'écoule et que dans 20 minutes, on aura...
un nouveau champion, que ce soit Perpignan ou Avignon. Tout à fait. Allez. On voit Nicolas Clauzel qui s'emploie. Hein, des... Ah dommage, 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 dommage. Une volonté de faire vivre le ballon, mais malheureusement, une passe trop en avant pour Guillaume qui n'avait pas la capacité à accélérer pour pouvoir la récupérer. Il y a Florian qui s'échauffe et Gilles. Voilà, Florian d'un côté, Gilles de l'autre. Donc on va revenir à quasiment les 5 de départ pour finir cette partie. Sauf bien évidemment blessure. Ah, il a quand même une dextérité phénoménale, ce joueur Nicolas Clauzel. Allez Arnaud pour Nicolas. Ça joue encore un petit coup de pied dans l'axe pour Jérémy. Un rebond capricieux. Et de nouveau un jeu au pied. Qui va aller en ballon mort. Allez, un petit peu d'air avec un renvoi à la main pour nos amis de la PACA. Félicitons aussi, tiens, puisqu'on parle de PACA, de la victoire des équipes U15 et U17 du Football Club Lézignanais hier en Coupe de France. Bravo à eux. Une phase de jeu un petit peu compliquée, mais certainement qu'il va y avoir un en avant avec une perte de balle. Oui. Effectivement, le joueur était parti et il a voulu freiner pour... Et le ballon est parti devant. Voilà. Attention, c'est un petit peu dangereux quand même. Dans le fermé, il n'y avait personne. Et voilà. Allez, Joël qui calme. Elle est devant nous, elle est devant. Effectivement, on est sur la pile poil dans l'axe là et c'est indéniable, il y avait en avant. Allez, le retour de Florian sur le terrain. Florian Contadoro. C'est à l'entraîneur du 13 fauteuil que je vais parler. Quels sont les joueurs, Sylvain, qui vont avoir éventuellement la possibilité de s'exprimer sur le maillot du 13 de France fauteuil fin juin contre nos amis anglais. Oh, quel essai! Magnifique essai! Est-ce qu'il sera validé? Une prise de balle. Il est passé vers l'arrière. Et non, c'est un essai qui est refusé, considéré comme par une prise en avant. L'arbitre a consulté son arbitre d'en but pour avoir un avis supplémentaire. Oula. Ouais. Mais pour revenir à votre première question tout à l'heure. Ouais, j'étais sur le haut niveau. On part sur un nouveau cycle au niveau de l'équipe de France. Et la série de tests qu'on va avoir contre les Anglais au mois de juin, fin juin, va permettre à de nouveaux joueurs d'intégrer la sélection et qu'on les voit au plus haut niveau. Donc des garçons comme Arnaud Vargas ou Jérémy Bourson pour les Dragons catalans. Ou Florian Guttadoro et Julien Verdi pour les Avignonnais vont être des garçons, des nouveaux internationaux, si ça se passe bien d'ici là, qui ne sont pas blessés. Bien, d'ailleurs, donc tout ça pour vous, plus les internationaux en titre qui sont déjà sur le terrain, donc ça vous prouve aussi le niveau de jeu
qu'il y a à l'heure actuelle en France, hein, et notamment sur le championnat de France élite. Rappelons simplement à nos spectateurs que la prochaine Coupe du Monde aura lieu en 2021 en Angleterre. Oui. Et que pas plus tard que vendredi soir aux États-Unis a eu lieu le premier match de rugby 13 fauteuils en Caroline du Sud. Donc ça veut dire que nos amis, et je salue Tony Le Boutillier qui est un des précurseurs de cette pratique américaine. Je sais qu'il nous regarde, il doit aller travailler ce soir. Magnifique essai. Essai d'Emerick avec un très beau décalage qui permet à Avignon de revenir de nouveau dans la partie. Donc oui, je termine juste par cet intermède international, si je peux dire. Félicitations donc à ces personnes qui, outre-Atlantique, démarrent la pratique 13 fauteuils avec l'objectif, bien évidemment, de pouvoir participer aux qualifications pour la Coupe du Monde 2021. Et nous, on espère vraiment que les États-Unis vont intégrer le concert international, parce que c'est une nation majeure au niveau du handicap et de l'handisport. Et donc, les avoir avec nous, comme le Canada ou d'autres pays comme le Maroc. Peut-être oui, saluons aussi notre ami Jean-Jacques Bédué, hein, l'ancien manager de l'équipe de France, qui a répondu à l'appel de la fédération marocaine et qui va aider cette jeune fédération à justement dynamiser sa pratique par le 13 fauteuil aussi également. Bien sûr. On avait eu l'Italie et l'Espagne qui étaient des nations émergentes lors de la dernière Coupe du Monde. Si on pouvait avoir l'Afrique avec le Maroc et les États-Unis pour ce qui est de l'Amérique, ça serait vraiment un plus incroyable pour notre discipline. Tout à fait. Donc on revient à un 44 pour Perpignan et 36 pour Avignon, un plus 8. Donc ça se tend un petit peu sur cette fin de match et c'est tant mieux pour le spectacle. Encore un quart d'heure, donc tout est possible. Une faute en avant et Kevin qui redémarre. Et Perpignan qui refait des fautes un peu bêtes, qui se précipitent. Il y a une fixation par Guillaume Motz, toujours dans l'axe. Emmerich, oui. Ils avancent. Allez, Florian qui va venir essayer de prendre de vitesse. Gilles. Flag et vite. Nicolas qui défend vraiment très très bien là sur Julien. Et cinquième et dernier. Le rythme a changé. Hein. Oui. On est passé à la vitesse supérieure et là on est proche du niveau international, j'ai envie de dire. Elle est devant celle-là. Ouais. Et Gilles l'a bien vu. Au faciès, là, j'ai de suite vu qu'il savait. Là, ça fait deux chaînes que les Catalans perdent le ballon au deuxième tenu. C'est, voilà, il faut vraiment pas qu'ils se mettent dans le rouge par rapport à ça sur la fin de match. À rendre le ballon trop facilement. Et ce qui est louable, c'est cette capacité hein, de cette jeune équipe avignonnaise de ne pas lâcher, de revenir malgré tout dans le match, de poser de nouveau des problèmes. Allez, quatrième essai, quatrième tenue, pardon. Alors on va passer par une fixation supplémentaire, c'est le cinquième. Oh là là. Et encore. Ah, attendez, une décision de l'arbitre importante. A priori, l'arbitre de défense. A priori. Emerick est passé en touche sur sa récupération. C'est pas le déflagage qui a été comptabilisé puisqu'on est reparti aux 20 mètres. Quel dommage hein, parce que touche dans but. Avec un plus 6 on revenait à plus 2 à 10 minutes de la fin. Et là, croyez-moi que tout était remis en cause. Mais on ne sait jamais. Le scénario n'est pas écrit donc tout est possible.
Pénalité pour position de hors-jeu. Une première avancée au pied, une belle avancée au, oui, au pied. C'est une force aussi de Nicolas d'avoir un jeu long au pied là. Enfin, coup de pied. Nicolas et Gilles. Au niveau de l'expérience, c'est vraiment très bien et on voit qu'il pèse sur cette rencontre. Nicolas qui va prendre. Voilà. Et là, je crains. Ouais. Dans cette configuration avec Jérémy qui reflague vite, c'est injouable pour les défenseurs. Ils sont sur Kevin, il était sur la ligne et comme il ne peut pas avancer, il est obligé de subir. Oui. Et en plus, avec l'envergure que ces garçons ont, c'est compliqué. Donc on repasse à 1 plus 12, voire 1 plus 14. Ouais, Nicolas marque vraiment cette finale de son empreinte. Oui, indéniablement, c'est l'homme de cette finale. Hein. Oui. Je me rappelle de lui à la fin de la Coupe de France. Et il avait prévenu ses joueurs qu'une fois c'était possible, ils en étaient tous malheureux, mais que plus jamais ils ne voulaient revivre telle chose. Donc, C'est un gagneur. Un sacré tempérament, effectivement. Et voilà, il transforme. Il a un sacré tempérament et en plus, il a la capacité à passer devant et à montrer ce qu'il faut faire pour pouvoir gagner. Donc, c'est quand même plus facile quand on peut montrer le chemin. La France a beaucoup de chance d'avoir des garçons de cette trempe et de ce niveau-là, au moins sur la sélection. Un jeu au pied. Attention les pattes, messieurs. Non. Stop, messieurs, stop. On peut considérer à la fois que le joueur le pousse, à la fois que Guillaume, là, en voulant le déflaguer, le pousse, mais en même temps, le joueur est en train de reculer. C'est une phase un peu compliquée à juger, mais regardez, les arbitres se consultent et surtout avec un double amputé qui est instable, qui est très instable. Une pénalité. Donc on considère, il a été considéré qu'il y a une poussette sur le côté. En tout cas, un jeu dangereux pour Arnaud. Allez, ça repart pour les Catalans. Avec de nouveau Nicolas Clauzel à la baguette. Arnaud Bagars qui a, semble-t-il, récupéré. Voilà. Ah, des fauteuils qui sont coincés. Ouais. C'est aussi une donne de ce sport avec la mécanique. Hein. Particularité aussi de chaque staff bénéficie d'un mécanicien comme dans l'équipe de vélo. Hein. Parce qu'on est. Quelques tensions. Et ouais, c'est. On cherche à faire craquer l'un ou l'autre. Voilà, Gilles. Oulala, voilà. Ça, c'est la force de Gilles. Ça, c'est la force de Gilles, c'est un funambule. Regardez le maillot. Monsieur. Et Gilles qui immédiatement demande à transformer la pénalité pour casser toute velléité avignonnaise. Aller faire douter jusqu'à dans les 8 minutes restantes. Donc on est à 50 à 36 et on pourrait passer à 52 à 36 qui mettrait. Et ça va être à plus 16, ça sera difficile. Ça sera compliqué en 8 minutes de revenir et de marquer 3 fois. Ouais, une transformation. Après, sur le. 52 Perpignan, 36 Avignon, pardon, Sylvain. Rien n'est terminé, mais si jamais on restait sur cet écart de plus 16 ou de plus 10 en faveur des Catalans, ça serait globalement. Ça témoignerait bien de la rencontre qui s'est passée. Et oui, rappelons un quart d'heure. C'est surtout le début. 20 points au premier quart d'heure. Et alors, certes, ils sont revenus à plus 8. Hein, le plus petit
Cet écart, c'était plus 8. C'est surtout le début de match que Avignon paye, pas sa seconde mi-temps ou l'ensemble de sa partie, c'est son premier quart d'heure. Ça repart à zéro. Là. Malgré tout, si on fait le décompte des Catalans qui auront gagné les deux mi-temps, il n'y aurait pas eu. Pour Avignon, le plus gros problème maintenant, c'est le chrono. Hein. Ah, il va y avoir à coup sûr une prise de risque. Une prise de risque importante hein, du côté avignonnais. Mais ça ne doit pas tomber non plus dans un jeu qui va amener trop de pertes de balles parce que derrière, il risque d'être puni et le score enflé. Perpignan, ils ne méritent pas non plus parce qu'ils ont fait les efforts nécessaires pour disputer en tout cas cette finale. Oui. Jamais contesté réellement la supériorité catalane. Mais effectivement, un différentiel de 8 à 10 points serait idéal. L'écart, ouais, tout à fait. Allez, Florian qui arrive à échapper. Position de hors-jeu de Gilles. Rappelons hein, que quand les défenseurs sont sur la ligne, il faut que les petites roues arrière soient derrière la ligne. Oh, c'est beau. C'est tout simplement magnifique ce qui vient de se passer là avec une libération quasi immédiate sur un pas, hein, on pourrait dire. Et c'est celui qui est dans la pratique valide sur une roue. Difficile, mais vraiment très très bien joué de la part de nos amis d'Avignon qui n'abdiquent pas. Et un essai de Kevin qui fait partie aussi de l'équipe de France, mais qui était déjà champion du monde en 2017. Kevin Pastore qui fait partie de la jeune génération, c'est un garçon qui est relativement jeune et qui est l'avenir de la sélection. Allez, une transformation qui ramène les Bisons à un différentiel de plus 10 à 4 minutes. Ce qui les oblige malgré tout à marquer deux fois en 4 minutes, ce qui paraît difficile face à quatre, aux Catalans. 4 fois, il faut qu'ils transforment. Voilà, vous êtes difficile, Sylvain. Moi j'ai confiance en ces joueurs, je sais qu'ils sont capables de tout, alors après. Une récupération par Jérémy. Ça enchaîne. Arnaud Margas qui va fixer et Nicolas qui arrive avec. Non. Effectivement, il y avait Arnaud de nouveau sous les poteaux qui libère. Un quatrième tenu annoncé par l'arbitre avant qu'il puisse aplatir. De nouveau une fixation, une libération. Encore une fixation. Quatrième sur Jérémy. Quatrième tenue. Quatrième. Jérémy Bourson qui a été déflagué. Ils vont mettre un. Ils vont essayer un drop. Non. Hop. Nicolas. Et Nicolas encore lui, j'ai envie de dire, qui vient parachever l'œuvre. L'œuvre, son œuvre sur cette finale et qui permet aux Catalans de définitivement s'octroyer ce titre de champion de France 2019. Oui. Il a vraiment une capacité à changer le rythme du match et sa puissance près de la touche.
près des embuts vraiment incroyable et inégalé au moins dans le championnat français. Chaque fois que nos amis Avignon nés sont revenus dans le match, derrière, Nicolas a remis les pendules à l'heure. Oui, oui, à l'heure. Oui. Donc c'est compliqué hein, mentalement pour les bisons là, d'enchaîner le temps fort parce que chaque fois qu'ils réussissent quelque chose, derrière, il y a de nouveau Nicolas qui vient montrer que lui, il est décidé à être champion de France, à le rester en tout cas. Oui, à le rester. Donc un score de 58 pour Perpignan, 42 pour Avignon. Est-ce que dans la dernière minute de ce match, on va avoir encore la possibilité de voir s'inscrire des points d'un côté de l'autre? On va à une libération, effectivement. Et une décision qui est discutée, donc une pénalité. Si Avignon pouvait marquer un dernier essai, ça serait bien pour le spectacle. Mais est-ce qu'ils en auront le temps? Il reste 25 secondes, on est sur le décompte. Pourquoi pas? Pourquoi pas avec Florian. Oh là 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 là, il était passé. Il était passé. Un déséquilibre, mais il était passé. Arrêt du temps demandé par l'arbitre. Ça va être le dernier tenu. Et voilà la fin du match qui consacre donc Perpignan. L'équipe des Handy Dragons de Perpignan sur le score de 58 à 42 face aux Bisons d'Avignon. Un match quand même relativement serré sur la fin malgré tout, hein, alors qu'on avait eu un plus 20 différentiel au bout de 15 minutes sur le début de ce match. Et puis des Bisons avignonnais capables de revenir pour recoller à la mi-temps. Et puis, une succession de une poursuite on va dire en début de deuxième mi-temps, mais malheureusement pour nos amis d'Avignon, Nicolas Clauzel étincelant et qui est venu les punir sur chaque perte de balle et qui a permis à son équipe de rester maître du début à la fin. Une entame de match très laborieuse d'Avignon et un Nicolas qui était vraiment étincelant aujourd'hui. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir. L'écart de 16 points est finalement logique sur l'ensemble de la partie. Oui, oui, tout à fait. On ne peut pas dire que nos amis catalans, même s'ils avaient été battus il y a 3 semaines par ces mêmes Avignonnais, hein, ils ont pris la finale par le bon bout. Ils sont arrivés en posant leur jeu, en justement mettant leurs atouts directement sur la table, si je puis dire, avec un 5 de départ le plus fort, avec ces changements de rythme qui ont permis à Nicolas et à Gilles d'impacter très rapidement. Une équipe qui a mis dans le doute une équipe d'Avignon qui cherchait un petit peu à mettre en place ses liaisons. Ils n'arrivaient pas à conserver le ballon, à mettre en place des chaînes qui pouvaient porter préjudice à la défense catalane. Et puis au crédit des Catalans, je crois que la titularisation d'entrée de Gilles Clauzel les a beaucoup perturbés, la façon dont ils ont attaqué le match avec des gens comme Gilles et Nicolas qui n'ont pas forcément l'habitude de faire les premières fixations, de venir dans les premiers temps et d'avoir revu leur copie de ce point de vue là ou changé leur approche tactique, a énormément perturbé Avignon. Il n'y a pas que. Certes, ils ont fait une mauvaise entame, mais c'est à mettre au crédit aussi de Perpignan d'avoir changé totalement leur façon d'aborder la finale par oui, rapport à il y a 3 semaines. Ah oui, oui, on n'a pas du tout assisté au même match, même si on avait les deux mêmes équipes, ou au moins les deux mêmes clubs. Certains joueurs n'étant pas là, d'autres étant revenus, et puis dans la façon de jouer, hein, tout simplement, comme tu le dis, Sylvain. Les équipes avaient changé leur fusil d'épaule. Oui. C'était des configurations tactiques complètement différentes.
Pardon ? Des configurations tactiques de chaque côté totalement différentes. Ouais, un choix d'un côté pour surprendre et puis de l'autre la capacité à mettre en place. Peut-être que on va dire le contexte, hein, l'environnement de ce match les a rendus un petit peu fébriles et puis on sait ce que c'est hein, dans la performance, la fébrilité. Ouais. Ça enraye très vite et puis après on se pose des doutes, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on revient, est-ce qu'on change ? Et puis malheureusement pour Avignon, l'absence de son capitaine Yann Verdi a quand même pesé. Oui, on l'a bien vu à la mi-temps. Il était dans le match, mais malheureusement pour lui, il n'était pas sur le terrain. Il était à côté. Il a donné très certainement tout ce qu'il a pu pour aider ses copains. Mais ça n'a pas suffi. Et donc, pas de doublé en 2019 sur cette saison pour les Bisons avignonnais. Et puis, les Catalans qui ont été, on va dire, sauvés quasiment leur saison avec ce titre largement mérité. Oui, ils ont quand même fini premier de la phase régulière. Oui, tout à fait. Donc c'était pas, c'est entre guillemets pas une surprise non plus de les voir gagner ce titre. Mais en tout cas, ils étaient disputés et ils ont su remettre les pendules à l'heure. Et c'est ça aussi les grandes équipes, c'est de savoir répondre au bon moment. En tout cas, les scènes à la fin du match faisaient que c'était pas une victoire anodine pour les Catalans. Et ils étaient très très contents parce que je pense qu'ils ont eu très peur de passer aussi à côté de sa deuxième finale. Tout à fait. Je vais essayer d'aller sur le terrain pour prendre les impressions, les premières impressions des joueurs, et notamment peut-être. Je vais les laisser aussi profiter de leur joie. Gilles, voilà. Je vais profiter, excuse-moi Gilles, de gâcher un petit peu le partage de la joie, mais heureux de ce titre. Heureux, bien sûr, heureux parce qu'on avait, à cœur de revenir et de les affronter une deuxième fois, parce que la dernière fois qu'on s'est confronté, on a perdu en finale de la Coupe de France. Donc on ne voulait pas rester sur cet échec. Heureux de retrouver cette équipe d'Avignon, parce que c'est quand même... une sacrée équipe, une sacrée belle équipe, et encore plus de les avoir gagnés. Ouais, avec un match complètement différent de la Coupe de France, hein, où vous avez d'entrée marqué l'empreinte avec un plus 20 en 15 minutes, et on sentait que vous aviez volontairement posé des problèmes tactiques à cette équipe-là, avec des changements de rythme, et à chaque fois vous marquiez en plus, et ils étaient dans le doute, puis après ils sont revenus, et puis derrière, une troisième mi-temps, une sortie de ta part, qui a permis aussi à l'équipe de souffler un petit peu, puis un retour victorieux, on va dire, et avec Nicolas Clauzel quand même. Hein. Il n'a pas été mal, le neveu, aujourd'hui. Hein. Ça a été compliqué quand même, ça a été très très compliqué. C'est vrai qu'on a réussi, on est rentré dans ce match aujourd'hui avec un autre état d'esprit que la Coupe, et je pense que c'est ce qui a fait la différence. On a eu ce petit embord en fin de première mi-temps, où on perdait un peu le rythme, le fil des choses, et après bon, on a su se retrouver, on a su poser le jeu. Et ce qui a fait la différence, en fait, les petites erreurs de part et d'autre se payent cash. Mais à ce niveau-là, ça se paye cash. Quand on fait une petite erreur, que ce soit de défense ou offensivement, qu'on perd un ballon, on prend de suite derrière la marée, donc c'est compliqué. Là, ça va tourner en faveur, tant mieux. On va dire que c'est l'expérience. Je vais te laisser, Gilles, aller profiter avec ton équipe, parce que tu as le double rôle, les joueurs et capitaine. Félicitations, Gilles. Florian, allez, je vais être avec l'entraîneur d'Avignon. Florian va se tourner vers les caméras. Alors Florian, forcément déçu, hein, j'imagine, quand on est entraîneur et qu'on joue une finale de Coupe de France et qu'on ne la gagne pas, on peut être que déçu, mais on a vu une équipe d'Avignon qui a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match, mais qui a montré de sacrées valeurs pour revenir à chaque fois. Et puis de l'autre côté, des joueurs qui, certainement comme Nicolas Clauzel, qui ont pesé lourd, hein, qui ont su punir à chaque fois ton équipe. Oui, non. Malheureusement, on fait une entente de rencontre qui est pour moi le plus pire des scénarios. Hein. On prend un essai assez rapidement, je pense que ça leur joue au niveau du moral. On met trop de temps, on met quasiment 15 minutes à se mettre dans la rencontre. C'est beaucoup. Voilà, c'est trop tardif, un match de finale, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Après, oui, on fait l'effort nécessaire, mais le problème c'est que cet effort-là, il nous prend trop d'énergie et on arrive à être à moins 11 à la mi-temps, hein, chose qui n'est pas insurmontable, attention. Hein. Mais voilà, mais derrière, je leur ai demandé d'être un peu plus cohérent et un peu plus,
un peu plus réceptifs dans la rencontre et on a mis trop de temps encore en deuxième mi-temps à se remettre. À chaque fois qu'on revient, ils reviennent aussi. On a été trop aléatoires dans la rencontre et sur une finale contre Perpignan, on ne peut pas se permettre de faire ça. Aujourd'hui, on passe à côté parce qu'on n'y a pas cru et parce qu'on les a regardés jouer. Et malheureusement, la stratégie n'a pas marché. Donc voilà, ils ont été meilleurs que nous et malheureusement, il faut savoir l'accepter parfois. Déception, mais quand même une superbe année quand même pour les Bisons. Parce qu'un premier titre avec une Coupe de France et un match extraordinaire face à cette même équipe il y a trois semaines. Et une finale, donc c'est quand même, ça restera dans les annales de l'équipe des Bisons. Une belle, belle saison. Bien sûr, après moi aujourd'hui, ça c'est pas représentatif de la saison. Hein. L'objectif cette année était de au moins remporter un titre. On fait les deux finales, on remporte un titre. Moi je suis quand même fier d'eux. Hein, voilà. Aujourd'hui je pense que c'était peut-être trop. Les deux trophées, cette année c'est un, peut-être l'année prochaine ce sera deux, ce sera l'autre. Voilà. Aujourd'hui je suis quand même très fier de l'ensemble de la saison. On finit sur une mauvaise note. En tant qu'entraîneur, bien entendu, on rêve toujours de faire au maximum et de faire un 100%. Malheureusement, on fait qu'un 50% et voilà, ce sera peut-être l'objectif dans l'année prochaine. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Hein. En tout cas, félicitations parce qu'il y a vraiment des valeurs collectives dans cette équipe hein, qui sait revenir parfois sur des situations un petit peu compliquées, qui remet le doute. Hein. J'ai discuté avec Gilles juste avant et qui m'a dit quelle équipe cette équipe d'Avignon. Vous avez aussi gagné le respect des adversaires et ça c'est chouette. Hein. Maintenant, allez, 2020, on va faire du 100%. Merci Florian. Donc voilà, une équipe d'Avignon, un entraîneur forcément déçu, hein, on peut l'entendre, mais qui sait aussi reconnaître la supériorité catalane aujourd'hui. Et donc avec Nicolas Clauzel qui vient d'être consacré meilleur joueur de la finale, à juste titre je crois. Je pense que tu partages aussi cet avis Sylvain. Ah oui, tout à fait. Non, Nicolas a marqué son empreinte cette finale. Aussi bien avec un jeu au pied précis que défensivement et puis les essais qu'il a marqués. Sa puissance a vraiment étincelé aujourd'hui. Donc on va tout simplement rendre l'antenne et remercier tous les téléspectateurs de Via Occitanie de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous donne rendez-vous dès l'année prochaine pour le rugby 13 fauteuils. Mais il y a d'autres finales de rugby à 13 qui se profilent sur la chaîne. Donc merci à vous et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Au revoir.